Bonjour, je suis sur une activité aujourd'hui avec la compagnie Meliades et le Centre Roseur. J'aimerais que vous m'en parliez parce que ça va être normalement tous les samedis du mois de mai. S'il vous plaît. Alors, notre projet, c'est d'investir la place pendant un mois, tous les samedis du mois, chaque samedi. Et on travaille autour d'une thématique générale qui est le canal, mais à chaque fois avec un univers différent. Donc aujourd'hui, c'est les jeux nautiques, la prochaine fois, ce sera le bateau la voix, après, c'est le journal d'un enfant marinier, et la découverte du canal. Donc voilà, il y a quatre thèmes. Et voilà, l'idée, c'est de faire à la fois du spectacle, des ateliers, des interventions théâtrales. Créer un moment, en tout cas, avec une chose. C'est vrai que l'origine du projet, en fait, c'est parce que le parvis, la structure et même le quartier est en train de beaucoup changer. Donc tout cet espace est assez récent et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens ne s'étaient pas totalement approprié cet espace devant le parvis, même leur quartier encore. Et donc c'est vraiment de faire vivre un peu cet espace. C'est pour ça qu'on a demandé à la compagnie Meliades de mettre en place ce projet pour que petits, grands et moins grands, tous âges et toutes générations puissent se retrouver pour partager un petit moment convivial et au cœur de leur quartier. D'accord. Et pour Meliades, est-ce que c'est ensuite des promenades sur le canal? Voilà, bah nous, de toute façon, ce qu'on... Parce que l'année dernière, il y a eu les promenades du canal. Voilà, il y a eu la découverte du canal. Donc, on est très attachés au canal et à l'eau parce qu'on a fait beaucoup de spectacles avec le Festival de l'eau. On parle beaucoup sur le thème de l'eau. Après, moi, ce qui m'intéresse sur Robert Villiers, c'est d'intervenir un peu dans des lieux, un peu en Europe, et de les transformer. Donc, on a travaillé pendant 5 ans à la Cité des Mines. On faisait des installations dans les appartements. Après, le canal, ça m'intéressait parce que c'était un peu abandonné. Donc, en fait, moi, je cherche un peu les lieux. Les friches, où on peut. Voilà. Et le Landiche, c'est un quartier attachant. D'accord. Voilà. Ça fait quelques années qu'on. Ça fait 2 ans, pas très longtemps, 3 ans qu'on travaille sur le Landiche. Et je trouve ça. C'est un quartier en mouvement, c'est ça qui m'intéresse. C'est un quartier en transformation. Bon, ok, donc, bah, super. Voilà, c'est un peu un pari d'essayer de créer quelque chose. Ok. Bah, merci beaucoup et bah, bonne continuation pour cet après-midi. Si vous plongez pas, fallait pas dire hop, parce que pour un peu moi aussi je plongeais. Et alors moi je serais là dans l'eau en train de patauger et puis alors vous seriez là en train de faire des mouvements pour vous réchauffer. Bah, quel menteur vous faites. Vous n'aviez pas du tout l'intention de plonger. Ça se voyait bien que vous n'étiez pas décidé. J'étais pas décidé parce que j'ai pas envie de plonger tout seul et que j'ai pas confiance en vous. D'ailleurs, j'ai eu raison de me méfier. Vous n'aviez pas du tout l'air décidé. Je n'ai pas plongé parce que je savais que vous ne plongeriez pas. Qu'est-ce que vous en saviez que je ne plongerais pas? Si vous aviez dit hop, ben moi j'aurais plongé. Si vous attendez que je plonge, pour plonger, moi, j'appelle pas ça plonger ensemble. Alors là, vraiment, hein, sérieusement. Si vous sautez sur le H, que moi... Oh, bah forcément, si vous cherchez la petite bête, pas sûr qu'au millième de seconde, il y en aura toujours un pour sauter avant l'autre. Sur l'eau alors. Oui, c'est une idée, allez. Elle était belle, elle en pouvait voir ses jambes blanches et son jupon.
voir le marchand lui. Voulez-vous vous asseoir? Descendez. C'est pour ce soir. Si vous restez debout, vous allez vous casser le cou. Mais la demoiselle sur la balance. Elle était belle et l'on pourrait croire qu'elle s'envolait tout d'un coup dans le ciel. Voilà, mademoiselle Sarah, on va faire un petit...